I'm taking my time. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous venez de le voir, il y a une nouvelle intro. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir, par exemple, si je fais une nouvelle intro en avant-première, donc avant les autres, ou les thèmes de mes prochaines vidéos. Donc, j'ai fait deux vidéos, mais qui n'ont pas été mises sur YouTube, se sont supprimées et je les retrouvais plus dans ma galerie. Encore ses cheveux, enfin bref. Et c'était une où avec un pote on faisait du skate à Louvain-la-Neuve et une autre où je présentais mon matériel. Voilà, ça va être une vidéo donc sur le finger skate. Franchement, j'aime bien ce petit objet parce que moi ça me déstresse, ça me détend et aussi c'est simple à faire. Là, ça va être des tricks que je sais pas, je l'ai acheté il y a quelques heures. Ça fait 10 minutes parce que j'ai changé les roues et tout et après j'ai dû faire des autres choses. En 10 minutes, je savais déjà faire tout ça. Le ollie et tout, c'est pas trop ça. Enfin, j'ai recadré après parce que là, vous voyez pas vraiment. La première, ça va être le power slide. Donc, ça va être vraiment des tricks super simples. Après, il y a aussi très simple le manual. Ça, c'est le nose manual. Alors, un tout petit peu plus dur, c'est le show vite. Attendez. Oh, show vite manual. Donc comme ça. Il y a aussi donc le Faki show vite. Bon, j'arrive pas encore très bien parce qu'en 10 minutes. Donc voilà, plus ou moins. Pour le holly, c'est pas trop ça. Non, pas vraiment du tout. Avec 3 minutes. Enfin, donc voilà. Cette vidéo était. Non. Oui, elle est très courte. Vu qu'il fait froid, franchement, je pense que les prochaines vidéos, ça va être. Je réagis à des fails en skate ou quand ils réussissent des trucs de ouf. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et ben, je vous dis à la prochaine.